Salut à tous, et donc on continue Rocher, une fois de plus. Donc, voilà, ouais, je crois que j'avais trouvé la bonne combinaison, là. Donc là, normalement, voilà, ça me fait tomber. Quand même, s'il n'y a pas le un tronc d'arbre sur l'autre, bah ça tombe. Donc là, c'est bon, voilà. Et clac. Donc je joue peut-être des endroits là, vu que je suis allé là directement, fait peut-être pas passer par là directement. Enfin, bon. Yeah, ça sert à quoi ça? Enfin, bon. Oui. Ouais, bizarre les rebords. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y avait rien de très particulier. Mais... J'espère. Hein. Hop. Et voilà. Attendez, j'en fais un deuxième au cas où, hein. On sait jamais. Un truc peut en cacher un autre. Non. C'est pas grave. Là. Vous voyez, Sylvia, c'est celle qui a le moins de MP vu qu'elle arrête pas d'utiliser le tourbillon. Des fois, je dis des trucs hyper intéressants. Bon, allez. Ouais, tiens, j'en utilisais une depuis une sacrée parce que j'en ai plein le cul d'avoir 15 ennemis par minute là. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on dit, puis après, hein, on s'en prend quand même. Donc voilà. Ah bah, j'avais pris la bonne route sans faire exprès. Par contre, les plumes, alors je sais pas si c'est par rapport au nombre de pas ou si c'est par rapport au temps. Je suppose que c'est par rapport au nombre de pas. Quoique, je sais pas. J'espère que ça s'use pas trop vite. Ça s'use trop vite. C'est jusqu'à 6, ta gueule. Alors, hop. On se retrouve au 3 maintenant. Ouais, mais putain, c'était pas loin. Là on peut pas passer, donc hop. Là une stèle. Une stèle. Ouf. J'ai pris un jet chaud dans la gueule là. Non. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait un truc derrière, j'ai eu trop peur là. Mais pourquoi faudra déplacer le tronc là? Je vois pas trop. On peut faire un truc. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais, bah on aurait pu le laisser là. Ouais. Pas trop compris là, l'utilité du truc. Bon. C'est marrant, depuis que j'ai utilisé la plume sacrée, il n'y a pas eu de combat. Alors. Ah merde, j'ai fait de la merde, je vais pas la bouger là. Je vais la mettre à droite en fait. Je vais la mettre à droite. Voilà, ensuite passer là. Et la mettre à gauche. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça là. Neige. Hop. Ok. Ça sert à rien, c'était juste pour retourner en arrière. Voilà, maintenant on peut passer. Ça
Sincèrement, j'aime bien, c'est sympa. D'ailleurs, les reliques, si on les vend, je crois qu'on peut les racheter au marchand qu'on l'a vendu. Ah non, pas que. Ouais, non. On peut racheter n'importe où en fait. Donc n'hésitez pas à les vendre. Quand ils ne servent plus, vous pouvez les racheter. Bon, les racheter deux fois plus cher que vous les avez vendus, hein, par contre. Bon, à la fin du jeu, on s'en fout, on a tellement de trucs. On peut pas l'atteindre, ce truc. Par hasard, non. Ah oui, ça je me rappelle pas. Ah mais merde, parce que pour le retourner il faut prendre l'autre du coup. Donc attendez, je vais inverser le truc en passant par l'autre côté. Je sais pas où voilà. Là je vais un petit peu au pif hein, je vous l'avoue. Enfin, comme tout le temps depuis le début du jeu en fait. Ouais c'est ça. Voilà. C'est vrai s'il n'y avait pas tant d'ennemis ça serait moins chiant. Je préfère qu'il n'y ait pas d'ennemis dans les salles où il y a des énigmes quoi. Ah, c'était bien dans Gold Dance 1 qu'il y avait des salles à énigmes sans ennemis. Je crois, hein, sûrement. Alors, je vais arrêter de rien dire parce que je trouve que mes vidéos deviennent chiantes. Ça ne l'était pas déjà avant. Donc, je vais parler un peu. Alors, je sais pas de quoi parler, donc on va dire. On va parler des dizaines des persos, tiens. Donc déjà, les persos du 1 par rapport à ceux du 2, de loin, mais de très loin, hein. Je préfère ceux du 2. Entre Pavel et Vlad, il n'y a pas photo, je préfère Pavel. Bon, même s'il s'appelle Félix, hein, c'est pas grave. Ouais, non, je pige pas trop là. Putain, mais c'est quoi ce délire? Je suis paumé. Attendez, je passe par là. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ouais, parce que Vlad, je sais pas. Bon, ils ont à peu près le même âge, je crois. Ou peut-être Pavel est un peu plus vieux, mais Vlad, je trouve qu'il a une gueule de sale gamin. J'aime pas son esprit. Enfin, je sais pas. Je l'aime pas, quoi. Cherchez pas. Entre Garrett et Lina, bon, j'aime bien les deux. Hein. Yvan, j'aime pas. Sylvia non plus, mais Yvan encore moins. Merde, j'aurais peut-être dû aller chercher le coffre. Ouais. Non, parce qu'Yvan, j'aime pas trop non plus. Enfin, je sais pas, ils ont aucun charisme, quoi. Pavel, j'aime bien. Pierre, ça va, j'aime bien aussi. Ok. Sophia, j'aime bien, ouais. Telos, il est sympa aussi.
Bon, après, bien sûr, il y a des persos qui sont forcément charismatiques, du genre de Alex. Mais bon, ça c'est toujours le grand méchant charismatique qui a toujours les cheveux longs. Alors là trouvez-moi une exception d'un grand méchant charismatique qui n'a pas les cheveux longs. Blanc en général ou gris. Bon, là il est bleu même. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux pas le pousser. Ah bah non, c'est pour sauter là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Putain, il est bizarre leur 3D. Je croyais qu'on pouvait sauter à droite. Mais... ouais, mais... je commence, je sais pas pourquoi, là je commence à sentir que je retrouve mes compétences là. Ouais, je recouvre confiance en moi là niveau énigme. Bon, en même temps c'est pas très dur, mais bon, je retrouve le jeu petit à petit dans ma tête. Alors un petit Ragnarok, un petit Yaz et un petit rien. Ah, ça j'adore ça. Par contre là c'est pas du lag, hein. Ça le fait même sur le jeu à l'origine. Pour Ragnarok, c'est lag toujours. Et franchement les musiques sont vraiment très bonnes, enfin, je trouve. Parce que c'est quand même de la GBA. Et je sais pas si vous connaissez la réputation musicale de la GBA, qui est une daube au niveau musical. Hein. Pas au niveau des jeux, hein. Mais enfin, le processeur musical c'est de la merde quoi. Pire que la Super NES. Je dis pas que la Super NES c'est nul, hein, mais je veux dire que c'est notre époque quand même. Par exemple, il suffit d'écouter FF 4, 5 ou 6 sur la Super NES. Ensuite le remake GBA, bah, c'est un massacre. Hein. On dit qu'on peut en avoir. Hein. Donc là on se retrouve devant une pire synergie. Donc c'est le moment de générer tout le monde et voilà, et ça on peut revenir à volonté. Donc si vous voulez XP là, vous pouvez balancer toutes les synergies que vous voulez et vous régénérez là. Et on va bientôt arriver. Alors est-ce que je me gourre pas d'endroit? Non, c'est bon, voilà. Et là un petit éclair, je crois. Ouais, un éclair. Voilà, il a l'air méchant. Ne vous inquiétez pas, il fait pas de mal à une mouche. C'est un masque. Donc je sais plus à quoi ça sert de passer par là. Je sais plus du tout. Dans le doute, je vais regarder, hein, mais je crois que ça sert à rien. Ah non, d'accord. Ça, c'est la sortie, en fait. Bon, on va reprendre par là. Alors je sais pas si je vais à gauche ou si je... ouais, je vais monter. Non, ça sert à rien d'aller à gauche en plus. Voilà. On monte tout en haut. Bon, je crois que c'est la dernière vidéo là. Attendez, je sais pas s'il faut activer ça ou... ouais. Ils font des bruits de chats en russe. C'est énorme quoi. Alors ouais, fiole, ça c'est assez sympa, ça rend pas mal de vie. Quoique les objets hein, dans le jeu, je n'utilise pas trop en général.
Griffe de fouine. Alors, griffe de fouine, c'est genre goutte d'huile, ça fait une attaque d'air, je crois, par contre. Alors par contre, ouais, j'ai remarqué quand je fais des vidéos de 19 minutes... Merde, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais ouvrir le menu. Bon, tant pis. Voilà. Ouais, quand je fais des vidéos de 19 minutes, il y a un tout petit décalage à la fin. Oups. Bah... Faudra activer un truc. Peut-être. Peut-être activer un truc avant, ouais. Bizarre. Ah non, mais c'est la sortie, ça, je suis con. Bon, j'en étais où? Ouais, donc on retourne à l'intérieur. Ça, ça servait à rien. Bon, là, je crois que je vais finir Rocher maintenant. Hein. Donc si la vidéo dépasse, bah tant pis. Je ferai une vidéo de plus de 20 minutes. Il y aura peut-être un petit décalage à la fin, puis tant pis. Moi, perso, je m'en fous. C'est pas moi qui regarde la vidéo. Non, je plaisante. Alors, en plus le pire c'est que mes vidéos de Zelda, j'adore tellement le jeu, qui me rappelle tellement de souvenirs que j'ai regardé mes propres vidéos. Quoi. Le gars qui a que ça à foutre. Et... Tac. Alors... Je crois que c'est la fin. Ça fait trois fois que je le dis, mais c'est pas grave. Je crois que c'est vraiment la fin, là, par contre. Oui, je crois qu'on peut passer par là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suppose qu'il faut le bouger. Je sais pas jusqu'où, mais... Ouais, je sais pas, au pif. Ah ouais. Clair, décidément. Ouh, ouais, il y a vraiment plus beaucoup de place là, faire que je vende des trucs. Booste la force de l'air, bah parfait. Pour une mystique de l'air, ça le fait. Qu'est-ce que c'est que ça devient? Allez, d'accord, faut rebouger le truc. Attendez, mais on pouvait passer par là à la base? Ah bon. Non, il y a un truc bizarre là quand même, non? Ah bah non, parce qu'on pouvait pas... Non, je cherchais pas à comprendre. Je pensais... Je crois qu'on pouvait pas monter par là. Enfin bon. Je cherche pas à comprendre, c'est dans ma tête. Je pense à voix haute. Donc là, normalement... Merde, putain! Pardon. C'est pas vrai. Voilà. Putain. Enfin, s'il n'y a pas à faire les choses jusqu'au bout, voilà ce qui arrive. Voilà. Donc on va dépasser ça pour le fun. Alors là, je sais pas s'il faut aller en haut ou... Ouais. Allez hop. Oh putain. Il me donne pas une chance, hein. Salaud. Voilà. Alors, on va passer. Oulala, qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, d'accord, je vais passer par en bas.
Non. Une chance sur deux. Je vais viser l'autre, comme ça me fera de la place dans l'inventaire. Voilà. Je sais même pas si j'aurai le temps de tout faire sans prendre trop de temps, quoi. Oula. C'est que ce délire. Ça fait beaucoup de cordes là. Ok. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de tout finir, mais si j'ai pas le temps, la prochaine vidéo sera la dernière hein, pour ce truc. Ah ah ah. Ok. Non, ça sert à rien ça. Je vais mettre des trucs pour nous emmerder en fait. Je vais essayer de prendre le coffre hein, quand même. Non, ça sert à rien. Il faut déplacer la statue apparemment. Voilà, le cracheur d'air là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah bah écoutez, je crois que je vais terminer la vidéo là. Sinon ça risque d'être trop long et chiant à regarder après. En plus je fais n'importe quoi là. Je commence à fatiguer à force de faire des vidéos à la suite. Faut juste le mettre là, ouais. Putain, mais comment on fait? Ouais bah écoutez, je cherchais ça de mon côté donc on se quitte ici. Voilà, je vais essayer d'être plus motivé pour les prochaines.